Dibé qui cherchait immédiatement Falcao. Ah, la mauvaise sortie de balle, ça profite à Guezal qui glisse ce ballon à Falcao. La première frappe cadrée de ce match. Une demi-heure de jeu ici à Louis II, 0 à 0 entre l'AS Monaco et le FC Porto. Oh la frappe d'un seul à la reprise, le double arrêt, la reprise encore, l'ouverture du score. Ils ont eu trop de liberté dans la surface, c'est Vincent Aboubakar qui marque. Et c'est le FC Porto qui peut, après la demi-heure de jeu, prendre l'avantage ici à Louis II. 1-0 pour les Super Dragons. Ouais, et puis surtout, là, les Monégasques ont dormi hein, pour venir suppléer Benaglio qui a fait deux arrêts consécutifs remarquables. Et ensuite, sur le troisième ballon, Aboubakar a été plus prompt que Georges, on le voit. Voilà, ils sont pris, les Monégasques. Très bonne frappe. Ricardo Pereira avec Aboubakar, le 1-2 entre les deux hommes qui fonctionne. Pereira pour le centre, il est bon. Oh, il y avait l'arrivée de Yacine Brahimi qui n'a pas pu cadrer sa reprise. Heureusement pour l'AS Monaco. Heureusement. Sergio Oliveira, bon ballon, il n'y a pas de hors-jeu. Très très bon ballon pour Marega, le retour de Jemerson et Marega qui parvient à frapper l'arrêt de Benaglio. Super Brahimi qui lance Marega. Marega face à Jemerson, le bon centre. Aboubakar le doublé. Quel contre! Quel contre des Dragons de Porto! Et le doublé pour Vincent Aboubakar. 2 à 0 sur la pelouse de Louis II. L'ASM, les Rouges et Blancs KO. Ah ouais, c'est une transition offensive énorme là que nous ont proposé les joueurs du FC Porto. Avec Brahimi à la baguette qui a lancé Marega. Et on va voir voilà, ce ballon parfaitement donné. Allez, la réaction. Oh, ils sont pas en veine en plus. Ah, non, sur ce centre de Ronny Lopez, c'est la transversale qui sauve Porto. Bien joué, l'échange là. Ricardo Pereira avec Corona, le centre. Oh là là, la reprise de Marega, c'est pas terminé. Herrera qui arrive derrière. L'exploit encore double de Benaglio. C'est pas terminé, c'est but, ça fait 3-0. Ça fait 3-0. Et c'est poussé au fond par Miguel Layoun. 3-0, grosse correction à Louis II. Ah, pauvre Benaglio, vraiment. Il est plus puni que les autres parce que là, il a encore été brillant sur cette action. Mais vraiment abandonné par sa défense. Mais encore Marega, là, il régale. Très bon débordement. Et regardez ce volée, demi-volée de Marega. Et ensuite en puissance. Jemerson avec Keita Baldé. C'est terminé. Monaco corrigé sur sa pelouse de Louis II pour son premier match de la saison à domicile en Ligue des Champions. Le FC Porto, les Dragons sont venus s'imposer 3 à 0. Un doublé de Vincent Aboubakar et un dernier but.